Je pense que c'est. Ça fait du bien, surtout que ça fait en sorte de deux saisons très compliquées. On est bien, il y a un bon état d'esprit dans le vestiaire, même en l'entraînement, tout ça. Et voilà, il faut continuer comme ça, il faut pas se relâcher et penser équipe tout le temps, parce que s'il y en a 3-4 qui commencent à penser individuel, ça va commencer à être compliqué pour tout le monde, parce qu'on sait que tous les matchs sont difficiles. On le voit encore ce soir, ça fait 3-0, mais voilà quoi, on doit se donner à 200% pour ça, et si on est ne serait-ce que 80%, ça suffira pas pour gagner un match. Ouais, c'est un peu le même but que contre Moucron. Je pense qu'il est un peu plus loin, mais c'est un peu la même frappe, la même trajectoire. J'essaye de les cadrer au deuxième poteau, au cas où personne ne la touche. On sait que les attaquants doivent couper. C'est ce que Kevin et Fashion ont fait. Ça a gêné le gardien, à la sortie, ça rentre et ça fait 2-0. Non, 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 non. Parce que la dernière, on a commencé à nous parler de ça trop tôt aussi. Et après, dès que tu perds un match, deux matchs, ça peut aller très vite dans l'autre sens aussi. Surtout que je pense que cette année, il y a pas mal d'équipes aussi qui, soi-disant, doivent jouer le bas de classement et prennent des points aussi. Donc ouais, on est sur une bonne spirale. On va essayer de continuer comme ça. On va essayer de rester positif tout le temps. Et pour l'instant, ça. Pour l'instant, ça paye. On va pas parler de top 8 en tout cas pour l'instant. On va juste prendre le match. Là, on a deux matchs très importants à jouer avant la trêve. On va essayer de bien les prendre par le bon bout. Et voilà quoi, on va essayer de continuer comme ça. Ouais, c'est sûr que la deuxième mi-temps avec Kevin, on se regardait, c'était compliqué physiquement, mais on s'est battu les uns pour les autres et à la sortie, on a gagné, on a pris les 3 points, donc à nous de continuer comme ça la semaine prochaine. Le Standard et Bruges, ils sont en Coupe d'Europe, ils ont des matchs tous les 3 jours, donc on aura notre carte à jouer la semaine prochaine au Standard, je pense. Après, on sait que quand on est à 100% dans ce championnat, je pense qu'on peut accrocher tout le monde. Comme l'a dit Kevin, on peut pas tricher, ne serait-ce qu'à 80%, ça passera pas. Donc à nous de continuer comme ça, on est sur une spirale positive. Aujourd'hui, c'était pas notre meilleur match, mais à la sortie, on repart avec les 3 points, 3 buts marqués, 0 encaissé. C'est de bon augure pour la suite. Alors là, franchement, je sais pas, mais en tout cas, je pense que tout le monde est sérieux chez. Tout le monde est sérieux. Je pense que tout le monde reste chez soi. Ils essayent de voir le moins de monde possible. On n'a pas été touché aujourd'hui, mais ça peut arriver demain. Pour l'instant, c'est pareil. Là, si on s'enflamme pas, ça peut aller très vite. On voit dans les équipes, dès que t'as 2-3 cas, après, ils montent vite à 10, 12. Donc voilà, on va pas s'enflammer non plus là-dessus et essayer de rester sérieux jusqu'au bout.